Nous pouvons nous lever. Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, des chrétiens à travers le monde entier sont en communion ce soir pour célébrer un événement qui, certes, s'est déroulé dans l'histoire il y a un petit peu plus de 2000 ans et qui, pourtant, demeure complètement actuel pour chacun d'entre nous. Le Seigneur disait à ses disciples, et il nous le dit à nous aussi, « Je suis venu apporter un feu sur la terre » et comme je voudrais que déjà il soit allumé. Et cette flamme, cette lumière,
Cela fait 2000 ans que des hommes et des femmes se la transmettent. C'est la force de notre foi. Cette lumière éclaire le sens de chacune de nos vies et nous donne la force d'aimer jusqu'au bout. Christ a traversé pour chacun de nous, pour notre humanité, la fragilité, la souffrance, l'humiliation, la mort. Et la mort n'a pas eu le dernier mot. L'amour du Père a été le plus fort. Nous pouvons accueillir ce soir de manière nouvelle cette présence vivante du Christ. Nous savons que nous avons un monde à rebâtir, des relations économiques à réinventer, un sens nouveau à leur donner. Nous avons des solidarités à retrouver, un sens de la vie à partager, une communion nouvelle à insuffler. Que cette lumière du Christ nous éclaire chaque jour pour renouveler la vie dont le monde a besoin aujourd'hui. Je vais maintenant bénir ce feu qui transmettra cette lumière au cierge pascal, cette figure du Christ, lumière pour chacune de nos vies, et que nous puissions ce soir l'accueillir d'une manière particulière pour pouvoir la transmettre au monde. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme. Qu'elle brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Exultez de joie, vous les anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Heureuse es-tu, notre terre, tout éblouie de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté. Et son règne a chassé ta nuit. Réjouis-toi, Église mère, toute parée de sa splendeur. Entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un peuple. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions. Ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Vraiment, il est juste, il est bon de chanter hautement ta gloire. Toi, Dieu le Père tout-puissant, et ton Fils Jésus le Seigneur. Par amour, il répandit son sang pour laver le péché d'Adam. Il efface la condamnation, il s'offre pour notre salut. Voici la fête de la Pâque. S'immole l'agneau véritable, son sang consacre les croyants, les marques du sceau de la vie. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité. La nuit où pour ton peuple tu accomplis tant de merveilles, pour eux tu as ouvert la mer et dressé la colonne de feu. C'est la nuit qui délivre du mal ceux qui mettent leur foi dans le Christ.
si la nuit où le Christ a brisé les liens de la mort, relevé victorieux des enfers, il attire à lui l'univers. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité. Tu livres le Fils. Il fallait le péché de l'homme que le Christ abolit dans sa mort. Bienheureuse faute d'Adam qui nous vaut un tel rédempteur. Aux nuits de notre vrai bonheur, où Christ a surgi des enfers. Comme le jour, tu es lumière pour notre joie. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité. Cette nuit qui sanctifie nous rend l'innocence et la joie, chasse tout crime et toute haine et nous dispose à l'unité. Nuit où se lève une lumière qui se transmet et multiplie comme un sacrifice du soir. Que l'Église offre par nos mains. Aux nuits de notre vrai bonheur, nuit de grâce en l'honneur de Dieu, où les cieux s'unissent à la terre, où l'homme rencontre son Dieu. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Aussi nous t'en prions, Seigneur, que brille sans fin dans la nuit flamme du cierge pascal qui se joint à la clarté des cieux, qui brille au-delà de la nuit, quand viendra l'astre du matin, Jésus le Christ ressuscité, notre lumière et notre paix, lui qui remonte des enfers. Saint-Esprit, à la droite de Dieu notre Père, dans les siècles des siècles, amen. Nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde, tu es vraiment ressuscité, nous te magnifions. On peut s'asseoir et éteindre son cierge.
Notre Dieu, en fait, n'a cessé d'habiter l'histoire des hommes. Il est le principe et l'origine de toute la vie. Il a scellé son alliance avec l'humanité à travers notre père Abraham. Il a sauvé l'humanité de toutes les formes d'esclavage. Cette liberté que chacun de nous est appelé à accueillir ce soir. Le carême, cette année, a sans doute éclairé de manière particulière les esclavages qui meurtrissent nos relations, notre monde. Le Seigneur n'a cessé de parler par ses prophètes pour ranimer la flamme et guider le peuple qui lui appartient. Il est venu habiter parmi nous. C'est cette histoire dont nous faisons mémoire et que nous parcourons en cette nuit sainte en vue d'accueillir chacun de nous une liberté nouvelle en Christ. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour. Et Dieu dit : Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruit donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe. La plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin,
troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tous ceux qui va et vient sur la terre et qui a un souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte, et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir,
Il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. رنم للرب ترنيما جديدا أحسن العزف مع الهتاف فرحين مرنمين أعترف له بالكنارة وبعوشار الأوتار أشيد له رنم فإن التسبيح يجمل بالمستقيمين رنم للرب ترنيما جديدا أحسن العزف مع الهتاف فرحين مرنمين الرب يحب البر والعدل ومن محبته امتلأت الأرض به تبتهج قلوبنا وعيوننا فهو نصرتنا وملجانا وعليه توكلنا رنم للرب ترنيما جديدا أحسن العزف مع الهتاف فرحين مرنمين Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l'homme et plus grande merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l'Esprit et de parvenir aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël
entre au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière. Entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse : Étends le bras sur la mer. Que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire. Le Seigneur est roi, en lui je me glorifie. Le Seigneur est ma force et mon chant. De la mort, c'est lui qui m'a délivré. Sa main droite écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés. Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire.
triomphé de la mort. Lui au ciel est grand comme notre Dieu. Lui dont le nom est trois fois saint. Chante. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un peuple, un seul peuple, de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accède à la dignité de tes enfants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin,
et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-delà de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me retournera pas sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel et Tout-Puissant, espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne en inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Paix sur terre.
sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, que ce soit notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Jésus-Christ est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait, puis vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nos frères et sœurs orthodoxes nous transmettent ces salutations qui s'échangent tous les dimanches. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. En cette nuit de Pâques, chacun de nous, là où nous sommes, nous pouvons nous tourner vers ceux qui nous sont proches pour proclamer cette vérité qui change chacune de nos vies. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et pour vous, peut-être qui êtes juste seul devant votre écran, du plus profond de votre cœur, vous adressant à tous vos proches, proclamez cette vérité si simple, si humble, si vraie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Béni soit Dieu tous les cœurs,
notre joie. Il est notre Seigneur. Jésus est notre paix. Il est notre Seigneur. Jésus est ressuscité. Il est le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Le Christ est ressuscité, ça y est. Ça y est, c'est enfin le point de départ de toute notre vie chrétienne qu'on fête aujourd'hui, le socle de notre espérance. Comme saint Paul dit en 1 Corinthiens 15, il dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. » Et le Christ est ressuscité et notre message n'est pas vide. C'est le centre de gravité de toute notre vie qu'on fête aujourd'hui, le centre de gravité de chacune de nos vies. Tout tourne autour de ça. Mais c'est une année étrange dans la manière dont on le fête, des circonstances non habituelles. Fêter Pâques confinée. La planète est confinée, du jamais vu. Du jamais vu. Et en même temps, pas si sûr. Comment les apôtres fêtent Pâques? Ben, ils sont bien, bien confinés. Et au fond, la parole de Dieu nous le dit, hein, Jésus vient, les portes étant closes. Alors, on l'a entendu à plusieurs reprises dans ce carême un peu spécial que nous vivons, chacun là où nous sommes. On touche du doigt une réalité de la toute première Église. Au fond, on célèbre, on vit, on se tourne vers le Seigneur chez nous, là où on est, en famille, à la maison. On célèbre à la maison l'Église domestique. On est chez nous et on reçoit le Seigneur. Jésus se rend présent dans notre salon à deux ou trois réunis en son nom et Jésus est là. Nous vivons Pâques confinés. Et je crois que c'est finalement une manière très inspirante de vivre cette fête, de fêter la résurrection du Christ. Parce que Jésus a l'habitude de venir quand tout est verrouillé. Il a l'habitude de venir montrer ses mains quand on est enfermé chez soi. Jésus a l'habitude, c'est comme ça qu'il a commencé et c'est comme ça qu'il fait. Il s'invite quand tout est fermé. Je pense qu'il a dû signer sa déclaration dérogatoire de sortie de tombeau pour venir et passer d'une maison à l'autre. Et il va passer de maison en maison ce soir, il va visiter nos lieux d'enfermement. Aujourd'hui, c'est chez toi que je veux célébrer ma Pâque, nous dit le Seigneur. C'est toi que je veux faire passer à la vie avec moi. Cette étape de la résurrection du Christ, elle marque un avant et un après. Quand il y a une naissance dans la vie d'un couple, il y a un avant et un après. Quand il y a une sortie de tombeau, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après pour les apôtres. C'est le propre d'une Pâque, d'un passage. On ne peut plus faire comme avant. On ne revient pas en arrière. Avec le blé, on fait du pain, mais avec le pain, on ne fait pas du blé. Il y a un passage et l'offrande du Christ, elle est sans retour. Et évidemment, cet avant-après, cette année, pour nous, il résonne aussi d'une manière particulière. Il va y avoir un avant et un après confinement. Il va y avoir un avant et un après pandémie. Il va y avoir un avant et un après année 2020. Et la question, peut-être, c'est est-ce qu'on se fixe
sur l'avant ou sur l'après. Les deux. C'est une petite parenthèse, quand on vous pose une question en christianisme, il faut toujours répondre les deux. Et 99% des fois, ça marche. Et là, je crois qu'il faut se fixer sur l'avant et sur l'après. Évidemment, on s'attache à l'après. C'est toute l'espérance chrétienne vers laquelle on se tourne en cette période. Quand la souffrance vient nous atteindre, on sait bien qu'il y aura un après, qu'il y aura une victoire, que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Et c'est ça qu'on fête aujourd'hui. Il y a la vie en abondance que le Christ vient déverser. Et puis, on regarde aussi ce qu'il y a eu avant. On relit, on fait mémoire, on se laisse enseigner par le chemin parcouru. Pierre, il va relire son reniement avant d'être envoyé par Jésus. Le peuple d'Israël, dans son cheminement d'alliance, il relit. Et nous, on va avancer en regardant ce qui s'est passé, les promesses, les chutes, les prophéties, les égarements. Surtout, ne vivez pas aujourd'hui dans une logique commencement-fin. Il faut plutôt vivre dans la logique fin, puis commencement. Quelque chose se finit pour un nouveau commencement. Le chrétien, il a le nez, pour ceux qui ont encore de l'odorat, hashtag Covid-19, les chrétiens, ils ont le nez tendu, tourné vers ce qui va venir, vers le commencement, vers la résurrection, vers la vie. Est-ce que vous voulez un monde qui finit ou un monde qui commence? Et je crois que, comme dit la parole de Dieu, il y a un temps pour arracher et un temps pour planter, un temps pour démolir et un temps pour construire. Vous voulez un monde qui finit ou vous voulez un monde qui ressuscite avec le Christ? Et aujourd'hui, le Christ passe devant. Ici, à Hautecombe, les jeunes de HDS qui vivent cette année à la suite du Christ, vont dans quelques semaines passer en mode confinement niveau 2. C'est la retraite des 30 jours. Là, ils ont été bien entraînés. Et puis, il va avoir le niveau 2, on va rajouter le silence, les 30 jours de Saint-Ignace. Et la question principale avec laquelle ils partent dans cette retraite, c'est vraiment celle-là. C'est quelle vie je construis après? Quelle vie donnée je vais commencer? Alors, vous pouvez prier pour eux abondamment. Ils vont souvent reconnaissants. Le confinement, il dure après Pâques. Le confinement, il va jusqu'à la Pentecôte. Je ne fais pas un scoop gouvernemental. Là, je parle bibliquement. Le confinement, il est entre Pâques et la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ce temps où les apôtres sont là? Il y a eu la résurrection, mais ils sont encore confinés. Et au fond, les apôtres, peut-être qu'ils préparent leur stratégie de déconfinement. Peut-être qu'il y a besoin de ce temps pour se préparer. Et nous, quelle va être notre stratégie de déconfinement spirituel? Qu'est-ce qu'on utilise dans cette période? Comment vivre du ressuscité? Qu'est-ce qu'on va bâtir? Qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'on va planter? Et là, je crois que chez vous, dans cette période, vous avez le temps, beaucoup, en famille. Vous avez le temps avec les amis au téléphone. Vous avez le temps de penser, finalement, à ce que je vais construire après. Et à ce qu'on a à construire aussi, ensemble, à la suite du Christ. Et j'ai envie, ce soir, de vous laisser cette question dans cette célébration. Quel est votre après-résurrection? Quel est cet après, une fois que le Christ est venu, qu'il nous a tirés de nos enfermements? Qu'est-ce que l'on construit ?
Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Commémorant ce soir cet événement qui demeure lumière du monde et aussi lumière de chacune de nos vies, chacun de nous est appelé à renouveler l'événement de son propre baptême, l'événement, nous laisser plonger par la foi dans ce mystère qui fait que notre vie, quelque part, ne nous appartient plus et qu'elle est guidée par cette présence qui lui donne tout son sens. Pour entrer dans cette foi, nous appuyons sur le grand mystère de la communion des saints, sur la foi de toute l'Église. Je crois parce que ensemble nous croyons, portés par la foi les uns des autres et la foi de l'Église, nous avançons. Donc nous pouvons nous lever, rester sur place et ensemble appeler l'intercession de tous les saints. Tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, 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 tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, Seigneur, prends pitié. Pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste, le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, nos pères, témoins de Dieu. Mathieu, Marie Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Augustin, tous les saints, priez pour nous. Léon et Grégoire,
gardien de l'unité. Chercheur de Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donc je vais maintenant bénir cette eau, qui, qu'on soit proche ou qu'on soit loin, sera une manière pour nous de faire mémoire pour chacune de nos vies de cet avant et de cet après, de ce baptême qui marque, qui signe sur notre front que nous sommes fils et filles de Dieu, appelés à partager la vie du ressuscité. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à notre corps fraîcheur et pureté. Tu en fais aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle de l'alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de recevoir cette délicate aspersion, nous pouvons nous lever et proclamer ensemble notre foi. Nous pourrons dire, nous croyant dans le Père et le don de sa vie pour nous, nous croyons dans le Fils qui nous saisit la main et qui nous entraîne à la vie, nous croyons dans la force de l'Esprit qui nous donne de suivre le Christ. Nous rejetons tout ce qui peut nous retourner en arrière, tout ce qui nous retient prisonniers de l'esclavage et de la mort. Frère bien-aimé, nous aussi par le mystère pascal nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau de l'Esprit-Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec ces offrandes, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Te prions spécialement aujourd'hui pour tous ceux qui devaient recevoir le baptême
et qui le recevront dans les prochaines semaines. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Betty, pour tous ceux que nous portons dans notre cœur, pour ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme le Seigneur nous l'a lui-même enseigné, nous pouvons nous confier les uns les autres, confier tous ceux que nous portons à l'amour du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux responsables de chacune de ces églises. Mets un terme à notre division. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Bien, vous qui êtes proche, vous qui êtes loin, en cette sainte nuit, la paix du Christ. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi. Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi. Miserere Malgré les distances qui nous séparent, malgré le confinement, on peut avoir l'impression d'être loin pour certains de cette table eucharistique à laquelle certains vont pouvoir communier, mais nous y communierons tous. Nous nous associons à cette communion. Vous verrez sans doute s'afficher sur vos écrans cette prière que l'Église vous invite à reprendre en ces jours. Mon Seigneur et mon Dieu, mon cœur a soif de toi. Plus que jamais aujourd'hui, séparé de la table eucharistique, j'ai besoin de ta présence. Toi qui m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi, c'est toi mon espérance. Viens, viens en moi, Seigneur Jésus, fais en moi ta demeure.
Heureux sommes-nous d'être invités au banquet du royaume. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ pour la vie éternelle. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal. Par Jésus ton Fils notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques petites annonces. Pour garder une ambiance paroissiale, je voudrais vous donner quelques horaires, aussi à vous qui nous regardiez, pour que vous puissiez continuer ces fêtes de Pâques. Demain, si vous le désirez, il y aura la messe de Pâques en ligne aussi, sur la même adresse, à 11h, qui sera retransmise depuis l'abbaye des Dombes. Et puis le soir, à 21h, on aura une grande assemblée de louanges sans frontières, toujours en ligne, retransmise depuis la maison à Lyon, où les jeunes travaillent. Et puis au cours de la semaine prochaine, vous pouvez continuer à suivre les offices, certains temps de prière, de louanges en ligne. Vous pouvez regarder tout le programme sur la page du direct. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider dans toutes les missions de la communauté. Une adresse va s'afficher pour que vous puissiez laisser une offrande et ça nous aidera en ce moment aussi à continuer de porter ces missions et notamment cette mission peut-être de retransmission à distance. Il faut quand même qu'on vous dise, mais en ce moment, pour que cette diffusion soit possible, il y a des frères dans
4 ou 5 lieux qui coordonnent le son, les images, un peu partout en France. Et ça marche très bien. Et c'est vrai qu'on se dit, après cette période de confinement, qu'il y a sûrement une mission particulière à continuer sur ce plan-là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous aider par vos dons. Merci et bonne fête de la résurrection. Après le confinement, comme on l'a entendu ce soir, il n'y a pas que cette mission en réseau qui aura à continuer. Je crois que nous avons bien compris. Nous sommes dépositaires d'une lumière qui peut-être peut nous permettre de mieux connaître et comprendre le monde que nous avons à bâtir maintenant, la relation entre les gens et aussi notre monde concrètement. Nous avons aussi la foi qui nous donne cette force et puis cette audace d'y aller. Peut-être que nous, chrétiens, nous avons à faire quelque chose. Donc, comme nous le disait le père Étienne tout à l'heure, nous avons peut-être encore la malchance ou la chance d'avoir quelques semaines, au fond, pour nous laisser habiter par l'Esprit-Saint et comprendre quelle est la joie que nous avons à partager d'un monde qui peut-être puisse être aussi différent de celui que nous avons quitté. Et nous avons droit à une bénédiction pour pouvoir y aller avec courage. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du Ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bonne semaine sainte. Alléluia, Jésus est vivant, acclamons notre roi. Les tours.
Alors merci à chacun d'avoir pu suivre cette célébration avec nous. On a été heureux de vivre cette célébration avec vous en ligne, de vos maisons, de vos habitations. On vous souhaite de continuer à goûter à cette joie pendant toute cette semaine, pendant les jours qui suivent, pendant les mois qui suivent. Et on reste bien sûr en union de prière avec vous tous. Voilà, joyeuse Pâques à chacun.